Je m'appelle Tom Meyer, je suis le chef du restaurant Granit à Paris 1er. On a une cuisine axée sur la créativité, beaucoup de condiments, une cuisine assez gourmande, toujours beaucoup de travail sur les sauces et un sourcing très précis. Le gnocchi naturellement pour le livre 109 parce que c'est la recette de l'ouverture du restaurant. Maintenant on est sur une version aux œufs de poisson avec pas mal d'acidité, la fraîcheur des herbes et de l'agrumes. C'est une pâte qu'on est obligé de faire tous les matins parce que c'est assez vivant et qu'on cuit à la minute. Ça c'est hyper important. À la farce on est sur une base de beurre blanc, garniture aromatique on met fenouil et échalotes, vraiment un beurre blanc classique bien riche dans lequel à la fin on incorpore de la crème crue et on va rajouter tiède un mélange d'herbes, donc aneth, estragon, un petit peu de coriandre, de la menthe également, tout haché. On va cuire sur la plancha pour la marquer, avoir un côté un petit peu grillé en dessous et après on va la cuire au four vapeur à 100 degrés où là on va chercher à saisir la pâte mais avec de la vapeur pour avoir ce côté un petit peu brillant du gnocchi, ça donne de l'appétence et après on met un côté grillé par le chalumeau que sur un côté et au tout dernier moment on rajoute les œufs de poisson froids, brochés, truités, saumon. Je sais pas pourquoi cette recette elle a pris d'un coup comme ça, mais en fait les clients venaient au restaurant, ils se prenaient en vidéo en train de couper le gnocchi parce qu'il y avait le côté cœur coulant. C'est un plat qui marque les gens dans la forme parce que c'est assez conceptuel, un peu original. C'est un plat qui interroge en tout cas.